Donc le bardage bois, voilà, c'est comme ça. Je vais vous montrer, c'est pas si compliqué. Le plus classique, c'est doublement rainuré. Il y a une rainure mâle qu'on voit ici en haut et une rainure mâle aussi qu'on voit ici devant. Et de l'autre côté, c'est le contraire. Donc on a une rainure femelle en dessous et aussi une rainure femelle de l'autre côté sur toute la hauteur. Donc tout ça va servir à pas que l'eau rentre, à que les lames s'emboîtent bien les unes dans les autres. Alors comment on fait? Ben, la première c'est facile. La première on mesure juste la bonne longueur et on la coupe. Mais attention, on la coupe de quel côté? On la coupe du côté femelle, hein. On garde bien au bout. Ça, la chute, faut qu'elle ait le côté mâle ici au bout. Voilà, on va faire ça. Voilà, j'ai besoin d'une longueur de 308 cm. Alors voilà, je dois aller juste ici. Et on va couper ça. Plus qu'à aller la monter. Et après, on va faire une addition en nature. Donc, rien de dégueulasse, hein, je vous rassure. Comment on fait? Ce qu'il y a devant, là, c'est ma chute qui reste de ce que j'ai coupé avant. Et là, j'ai besoin d'une planche qui fait 3,20 m de long. Alors, je la pose par-dessus une planche neuve qui fait 4 mètres. Hein, et je prends là, depuis la base qui est en femelle ici. Voilà, on accroche et on prend jusqu'au bout de la planche que j'ai posée par-dessus qui doit être à 3,20
3,20. Donc arriver par là. Avec une main, c'est pas facile, mais je vais vous le faire quand même. Et du coup, on avance la planche jusqu'à 3,20. Ah là là. Voilà. Là, on est bien. Et du coup, ce qui va me faire 3,20 au total, ben, ce sera le bout de la grande planche qui est derrière, là, plus ma chute d'avant. Alors, ce que je fais, c'est que là, au cul de ma chute, je fais une marque, et ce sera ma marque de sillage. Et voilà, et comme ça, là, j'aurai mon bardage suivant. Et surtout, sur une tiny house, on n'oublie pas de prendre de la vis inox. Parce que quand on a 2000 € de bardage, hein, on ne peut pas se retrouver avec des traces noires, ce serait vraiment dommage. Et voilà ce que ça donne. Bon, une semaine de travail quand même. Hein. Ça me fait penser que jusqu'ici, là, pour en arriver à ce résultat, il y a à peu près 3 semaines de boulot. Voilà, c'est pas foufou, avec pas mal d'aide. Et qu'est-ce qu'on a ici? J'ai juste mis une protection, donc on voit bien. Ça, c'est mon ossature. Juste derrière, j'ai mon litho et le bardage. Et ce qui me reste à faire maintenant, ben, c'est sur les bords, couper la surépaisseur de bardage à la scie sauteuse. Alors, d'abord, on sature les ouvertures. Elisa fait ça magnifiquement bien, quel talent. Ah, c'est beau en haut là. Alors, pour faire les fenêtres, déjà on démonte le cadre et après on se met à l'ombre. C'est très important parce que la bande d'étanchéité, elle réagit et elle grossit à la température, donc faut vraiment rester au frais pendant qu'on la pose. Après, on passe la bande avec le côté gris à l'intérieur, magnifique. Et après, on visse le cadre dans la fenêtre et c'est vraiment chaud parce que les côtés de la fenêtre qui sont éclairés par le soleil, ils sont chauds et la mousse gonfle très très vite là. C'est vraiment faire attention quoi. Et voilà, c'est fait. Super, bravo. Donc là, on est en train de mettre les fameuses deux diagonales de contreventement au nord, hein, pour éviter que la grande baie vitrée qu'on a mis en place ici reprenne tout l'effort quand il y a du vent, par exemple. Donc simplement là, c'est tailler les profilés, hein, j'ai bien fait la découpe, ça prend place sous le bardage. Et puis au bout, on a des écrous en M8, donc bien costauds, qui tiennent les extrémités. On va aller voir dedans comment c'est. Alors à l'intérieur, on a les plaques de renfort là, et puis là on vient de mettre un peu de frein filet et on s'apprête donc à serrer les écrous qui vont serrer les barres et assurer que la tiny tienne bien même en cas de tornade. Voilà, c'est du solide. Alors le toit, comment ça marche? Et bien déjà, il faut remarquer que là j'ai du bac avec de l'anticondensation en dessous, hein, qui est une sorte de feutre, voilà. Et ça, c'est une sécurité parce que sous les tôles comme ça, il peut y avoir quand même beaucoup de gouttelettes qui se forment, donc le feutre permet de les absorber. Et ensuite, on met sur le chevron une sorte de plastique noir comme ça, qui se présente sous forme de grosses bobines. Voilà, ça vient de chez le fournisseur de bac acier. Ça permet déjà d'éviter que les chevrons soient complètement détrempés quand la condensation se forme en dessous, hein. Et puis aussi ça permet de faire très pratiquement glisser les bacs dessus, donc sans abîmer le feutre, c'est très pratique. Ouais, et puis voilà, après on les aligne simplement et puis il y a des vis avec les cavaliers comme ça. On enfile ça, c'est des auto-foreuses, c'est assez vite mis. Voilà.
voilà ce que ça donne au final. Donc ça c'est la couleur mélèze naturelle sur un bardage en mélèze tout neuf. Donc on voit, c'est la partie à droite, hein, ça éclaircit un peu le bois comme ça. Et si vous voulez pas vous prendre la tête, faites pas comme moi, essayez d'appliquer tout le saturateur avant de mettre les menuiseries. Bon, moi voilà, j'ai dû faire comme ça, du coup je dois tout protéger, c'est pas trop grave.